Ah ouais, c'est quand même vachement classe. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve en solo pour visiter une espèce de collège-chapelle. Donc on va voir ce que ça donne sans plus tarder. Synchronisation 3, 2, 1. Ce genre d'écho. Bon, ben on vient d'arriver dans la chapelle, ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Va falloir que j'ajoute un peu de lumière parce qu'on va pas voir grand-chose, mais il y a moyen de s'amuser. Ça y est, l'architecture commence. Une belle petite sorte de cheminée. Je vais éviter de trop faire le fou parce qu'il y a la fenêtre. Et donc du coup, on avance un petit peu. On devrait trouver des pièces intéressantes. J'ai posé mes affaires à la chapelle. Et là, ok. Donc là, on a du lourd. Un bâtiment qui craque de partout. Ouh, ça sent pas bon ici. Ça sent vraiment pas ouf. Ça sent les chiottes. Oh, putain. Regardez, piaf ou quoi. Putain, niveau lumière, je suis vraiment pas petit, hein, les gars. Désolé, mais quand t'es solo, que t'as pas d'infrarouge, c'est mignon ça. C'est vraiment pas petit. J'essaie déjà de stabiliser comme je peux. Ouais, c'est classe. C'est très très classe. On va pouvoir couper la lumière et économiser un peu la batterie. Parce que la skip, pile type prolétaire, hein, il faut le savoir. D'accord, ok. C'est un espèce de labyrinthe géant. Là, il y a un grenier qui a vraiment de la gueule. Je vais mettre un peu de lumière. Je sais pas si ça va beaucoup aider, mais là, il y a de la gueule. Du matelas et tout ce qu'il faut. J'essaie de stabiliser un peu comme il faut, mais c'est très galère avec le micro et tout ce qu'il faut là derrière. Mais bon, à l'arrache, on connaît les bails. Dodo, il improvise, sinon c'est pas drôle. Voilà, il faut le savoir. Oula. Gendarmerie nationale, zone interdite. Parce qu'on est des racailles. Parce qu'on est des bonnes vieilles racailles. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais on peut pas y accéder. Ah, mais c'est le plafond de tout à l'heure, c'est le grenier de tout à l'heure. Non, je sais pas. C'est fermé de toute façon. Bon, bah tant pis. J'aurais une fois de plus, hop, violé la loi. On est des racailles, on aime ça. Et on va continuer nos petits plans. Là, on est sur du lourd. Là, on est sur du joli joli. T'as l'appareil qui prend vraiment pas. Hein. Tout ce qui est luminosité, ce sera un petit peu fucked à cette vidéo. Mais c'est pas grave. Je suis déjà complètement essoufflé à force de gambader comme un animal de partout. Il y a encore un étage au-dessus. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon ça. Ouais, deuxième grenier. On est sur plusieurs étages de grenier. Voilà. Bon, une porte fermée là-bas. Forcément. Forcément, forcément. C'est ouvert. Ah, mais ça se pète la gueule, hein. Et poque un peu. Là, ce genre d'endroit, ça sent le nid de frelon, mais à 20 bornes. Bon. On s'est perdu. Voilà, on s'est perdu. C'est classe, ça. C'est très très beau, ça. Très très joli. Ah, ça donne. Donc là, j'ai fait l'étage au-dessus, mais j'ai pas fait celui en dessous. Je sais plus, je suis perdu, putain. Ah, c'est classe, ça. Ça a de la gueule.
éviter de trop montrer parce que les extérieurs. Ouf. Ah, on a une petite bibliothèque ici. Malheureusement, elle a pris tarot. Il n'y a plus rien. Putain, et le truc est gigantesque. Hein. On s'y perd, non, on s'y perd. Ah, ok, je suis revenu au bouquin. Oh, ça c'est ouf. Pas ça. Oh, il y a eu Airsoft. Ça c'est top. 9 sur 20. 6 sur 20. Ah, oh, énorme. Ah, ça y est. On commence à trouver des trucs un peu. Bon, c'est assez sympa. On a un plan qui est vraiment agréable. Ouais, ma veste, il fait un boucan infernal. C'est assez sympa ici. C'est plutôt joli. Avec le petit miroir là. Et les robinets à l'ancienne. Là pareil, hein, on est sur du... Ah ouais, c'est tagué. Malheureusement. Cette espèce de bête de couloir. Il y a beaucoup de bruit dans cet endroit là. Ah. Ça, je sais pas si je l'avais vu ça. Ah, oh, ouais, c'est vraiment. Ça a pris taritaro. Les oreillers encore. Ah, oh, putain. Encore là les trucs. Oh, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ok, il y a full matos aussi. Ouais, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Attendez, vraiment meilleur état. Mais ça a son charme. Ça a son charme. Ok. Donc là, c'est typique. Là, c'est typique l'endroit où il y a des gens qui venaient faire des soirées. Alors pourquoi? Bon, déjà, il y a du cadavre de bouteille dans tous les sens, etc. Mais il y a surtout cette chose-là. Alors ça, c'est de la peinture qui a été mise. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que du coup, la lumière ne passe pas. Mais qui dit passe pas, dit ne ressort pas. Et donc du coup, bah, ils se camouflaient. La nuit, ils mettaient leur lumière. Et comme ça, personne ne les faisait chier, en fait. Ils pouvaient faire leur soirée tranquille. Et les voisins ne les captaient pas. Bon, c'est vraiment bof comme solution. Parce que ça a un peu été fait à l'arrache. Hein. Comme vous voyez, les traces de peinture sont dégueulasses. Mais voilà, c'est un peu le principe de la repeinte des fenêtres. Donc c'est un endroit où ils venaient régulièrement. Donc là, putain, ils ont fait le ménage. C'est impressionnant, tout a été balayé pour libérer la place ou je ne sais quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésite pas non plus à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la team. Vous êtes plus de 5000 à nous suivre, c'est énorme, mais je tenais particulièrement à vous dire merci à tous.
got those huge tracks.